qui était tout énervé, oreille couchée. Non, je crois que c'est bon. Et le rire, par exemple, je suis... Pendant qu'il mangeait, je suis allée gratter les fesses. Ça fait longtemps que je voulais le faire. Tu vois, pouvoir le toucher. Oui, oui. Voilà, tu trouves cacahuètes, c'est tombé à côté. Donc là, ce que je vais vouloir, c'est récompenser quand il retire la tête, quand la tête n'est pas vers nous. Je le trouve beaucoup mieux qu'avant. Hein. Oui, mais ça, je fais bien attention quand je lui donne. Mais c'est impressionnant. Tant qu'il n'a pas les oreilles droites, je lui donne pas. Ah oui, non, mais du coup, le résultat est, est génial. Il est intelligent. Ah, on va parler trop vite. Ouais. C'est pas beau, mais il faut filmer. Tu vois, c'est pas ce que tu veux. C'est tout ça. Merde alors. C'est des boules. Elle me fait une tête de grimace, mais il en reste au fond de son seau. Alors, je vais encore un deux coups, puis tu feras. En fait, il est pas plus compliqué que ça. Maintenant, ce que je voudrais, j'en veux un peu plus que tout à l'heure. Je veux pouvoir mettre la main là et qu'il ne vous fasse pas sa tête de grimace. Ouais, tant qu'il n'y a rien. Donc, t'as vu, je mets la tête un petit peu devant. Si je l'enlève, je remets la main. Tu vois, ce qu'il y a, c'est que moi, quand je le fais le soir, c'est en une fois. Et oui, mais c'est pas grave, tu vois, si tu fais une fois sur deux en plusieurs fois. Oui, faut que je passe en plusieurs fois. Tu peux faire en trois fois, tu sais, tu mets juste, tu vides un peu du seau, mais pour le moment, si tu veux, ce qui me gêne, mais bien. Ouais, ça, je veux faire. Cette côté, plus vite, s'il te plaît, ou viens pas dans mon espace, viens pas près de mon seau de bouffe. On fait un peu de désensibilisation. Les miens, il n'y en a aucun qui réagit comme ça.
Au moins ils poussent. Si, entre eux, mais pas avec eux. Pas coucher les oreilles. Pas coucher les oreilles. On dirait qu'on n'a pas de qualité. Bon, là, j'aurais peut-être pas dû parce qu'il a eu le. Mais bon, j'ai récompensé le fait qu'il soit revenu en avant. Alors, tu vois, ça, c'est la façon de peindre. Si on continue comme ça, on le fait en plus pi. Total R plus. Maintenant, avec Nelly, moi, je sais que j'étais passée. Parce que je travaillais pas en R plus à l'époque. Mais j'étais passée par du R moins et du R moins pour de vrai à la bouffe. Et. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu faisais? Et bah, du coup, je voudrais te montrer en fait. Je vais essayer aussi, d'accord? Parce que si ça marche pas, ça marche pas. Mais comme ça, on aura vu les deux. Donc en R, voilà, ce serait juste d'attendre. Et on va chercher à récompenser que les moments où il y a les oreilles en avant. En R, ça va être de. Oh, vraiment, on était avec la badine au début. Même avec Nelly, je l'avais fait à la badine au début. L'idée, c'est de dire. Ça vient un peu de mimétisme des troupeaux de chevaux, de dire. Je suis dominante à la bouffe, à la nourriture, je suis dominante sur Mansour. C'est-à-dire que quand je mange, lui, il s'écrase au fond de son... plus loin. D'accord ? Donc c'est de simuler le comportement du dominant et de dire que c'est ma bouffe, je suis en train de manger. Et... attends, regarde. Tu vois, imagine Nelly en train de manger et toi c'est Nevada ça. Nelly mange. Même Mansour, c'est pareil. C'est pareil. Et donc tu vois quand il est sage à distance. Voilà. Et je m'en vais parce que quand j'ai fini de manger, j'ai plus faim. Tu vois. Et en moi, avec Nelly, j'ai jamais eu à travailler la politesse. Je sais pas si c'est parce que d'origine, elle n'est pas attirée par la nourriture. Ou si c'est parce que ça, je l'ai fait dès les premiers jours. Je vois ce que tu veux, parce qu'elle est super attirée par la nourriture. Oui, donc c'est ça. Moi, quand je suis là, je suis sûre. Alors que moi, jamais, tu vois, elle est avec moi, elle est hyper aussi. Je fais non. Ah non, pas moi. Non, je trouve même des fois qu'elle n'est pas bien éduquée. Ah oui, alors que c'est moi, pas grave. J'ai jamais à le travailler, mais je pense parce que je l'ai énormément fait comme ça avec Nelly au début. C'est-à-dire que Nelly, je suis venue 10 fois dans son box pendant qu'elle mangeait, et 100 fois. J'arrive, dégage, c'est ma bouffe, je ne sais pas. Et donc Nelly, dès que j'arrive, la nourriture, c'est que c'est moi ouais. D'abord, donc, et elle est après. C'est suite à ton travail, parce que avec moi, il faut que je pousse. Bon, bah du coup, c'est intéressant, moi, parce que moi, tu vois, je sais... la pousser, mais je la pousse, et elle est bourde dans le lit. Mais bon, comme elle est gentille, ça risque rien, si tu veux. Oui, mais bon, elle est mal élevée quand même avec les autres. Elle est mal élevée avec les autres. Et sors de mon eau, je dois. Donc, je vais même aller dans le truc. Quelle est la tronche que tu as? Les deux mon eau, ça se voit. Et donc tu vois ça, comme il est, super sage. Ouais. Ça, ma nourriture. C'est ma bouche. Ouais, c'est marrant parce que c'est des trucs qu'il n'a jamais fait de sa vie, alors il est réfléchi. Mais c'est à chemin. Non, mais j'ai plus faim, je crois. Assez mangé pour lui. Et ouais. Donc je pense que j'en rêve que. Je vais pas te montrer parce que ça fait qu'avec Nelly qui fait qu'avec toi. Non mais tu vois, ça me sert rigolo, ça fait quelque temps que j'ai pas testé ça du tout. Et la première fois que tu l'as fait là. Ouais. La tête tu l'as fait. Et puis il a compris parce que c'est. Oui, c'était ça un petit éclair. C'était un truc de cheval quoi. Oui, c'est ça, là c'est pour le coup. C'est un truc de cheval donc. Ma bouffe. Et c'est elle la dominante donc je peux pas bouffer. Voilà, et parce que voilà, je pense que pas je vais t'aider avec l'eau du bain pour les renforcements négatifs finalement. Quand on voit sur Nelly que j'ai jamais eu à travailler ma tristesse, c'est quand même un truc de feignant, c'est comme ça. Donc ça tu vas le faire le dernier en fait. D'accord ? Ça veut dire que tu vas juste. Tu es Nelly, c'est Nevada. Oui, je comprends. Et Nelly, je peux te dire qu'elle te fait pas de quartier avec Nevada. Elle est avec nulle personne. Hein. On pourrait la mettre avec Mansour, elle boufferait aussi. Hein. L'autre, il volerait. Non, princesse, c'est princesse de Nelly. Ça dépend d'où elle se situe. Si tu rajoutes Mansour dans le près de Nelly, il va se faire défoncer. Oui, c'est un Nelly chef. Mais si jamais Nelly vient dans un endroit où Mansour est depuis longtemps, donc tu vas commencer par secouer et faire de l'autre côté de la barrière avant de passer à la barrière.
T'en as été fait une sale gueule, dis-le. Oui. Voilà. C'est, tu vois, pas plus que ça. Ok. Maintenant, rentre. Tu as un œil sur lui, hein, pour... Peut-être. Et... Voilà. T'as un œil sur lui quand tu rentres. Ok. Tu vas dedans. Tu toutouilles avec un œil sur lui. Si ça approche trop de ta bouffe, t'es comme Nelly. Hep, hep, hep. Voilà, hein, ta bouffe, ta faim. Tu peux même considérer que t'es plus méchant que Nelly et tu veux une plus grande distance au début. Hein. Voilà. Voilà, très bien. Là, il fait le tour en s'éloignant. C'est très bien. Tête, attention. Voilà, super. Et vas-y, ressors, maman. Là, il est en train de regarder ailleurs. T'as assez mangé, je crois. Alors, fais attention, voilà, ouais. De partir assez vite ou de le repousser. Mais pour que. Bon, voilà, c'est génial. Ouais, je pense que là, t'as. J'ai marqué des points. T'as marqué des points. Et l'étape d'après, ce sera la prochaine fois. Fais ça pendant une petite semaine, hein, puisqu'on se revoit la semaine prochaine. La semaine prochaine, ce qu'on fera, c'est que pendant qu'il mange, tu te diras qu'en fait, t'avais encore faim. Donc, tu retournes et tu dis, hop, hop, c'est ma nourriture. En fait, j'ai faim. Ok, on va le laisser là-dessus. C'était bien. Je vais voir si je travaille parce que.